Salut mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis fidèles de l'École du Changement, avec un invité, nous allons aujourd'hui en tout cas commenter certains sujets d'actualité. Et ça, c'est le tout premier numéro de l'année 2022, avec le tout premier invité de cette émission pour l'année qui vient de commencer, c'est Maître Paty Joseph Lendo, qui n'est en tout cas plus à présenter. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est initiateur de l'opposition scientifique, il est apôtre de la méritocratie, il est surtout candidat gouverneur de la province du Congo central, une candidature qui pose problème, qui lui a en tout cas dernièrement créé des ennuis. Il a été enlevé, humilié, présenté comme un escroc dans le média par le service de sécurité de la province de Bongo du Congo. Il s'est retrouvé au parquet près des TGI Kinshasa Gombe. Aujourd'hui, il a en tout cas recouvré la liberté. Et c'est pour la première fois qu'il s'exprime en tout cas depuis qu'il a eu ses ennuis avec les services de sécurité. Maître Paty Joseph Lendo, bienvenue et bonne soirée, bonne année en tout cas à vous pour 2022. Ben, bonne année à tous qui suivent CCTV ce soir et merci à vous aussi de faire de moi le tout premier invité de l'année 2022. Donc je pense que en oiseau de bon augure, cette année vous apportera bien de bonnes choses. Mais aussi, laissez-moi dire que ce n'est pas ma candidature qui a posé problème ou qui poserait problème. C'est le sérieux que j'engrage dans le plus profond de moi-même en tant que politicien des Lumières qui a provoqué des valses dans le confinement immoral de certains compatriotes. Mais hélas, par-dessus tout, je me suis senti ragaillardi et de la publicité gratuite qu'ils m'ont offerte, cet épisode m'a permis de mesurer la teneur méritocratique dans le mental collectif, tant en interne qu'à l'extérieur du pays. Et je salue aussi les amis de ma promotion qui se sont mobilisés pour ça. Vous aussi, la presse consciente, la presse morale, pas la presse marchande ou la presse commerciale. Donc voilà en fait ce que je peux dire. Voilà, on va donc évoquer avec Maître Paty Lendo la problématique de l'état des droits dans ces pays et aussi la démocratie dans notre pays. Maître Paty Lendo, vous vous êtes retrouvé, ce pas dans des sales draps. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement, que vous qu'on connaît, quelqu'un qui se bat pour l'état des droits et qu'aujourd'hui c'est le contraire de l'état des droits qui s'est fait contre votre personnalité. On vous a enlevé, arrêté, humilié, présenté comme un escroc. Comment est-ce que vous êtes retrouvé comme ça dans des sales draps? Essayez un peu d'expliciter et expliquer à nos téléspectateurs qui vous connaissent, beaucoup qui ont été choqués, qui n'arrêtaient pas en droit de nous appeler, comment est-ce que lui qu'on connaît, un homme sérieux, s'est retrouvé dans des sales draps jusqu'à être présenté comme un escroc, comme un arnaqueur, pour utiliser les noms du secrétaire général des DPS, Augustin Kabuya. Ben, laissez-moi dire une chose. Je partage la peine de tous ceux qui se sont sentis frustrés, de tous ceux qui se sont sentis choqués par la ténacité, je dirais, irrépublicaine de l'épisode. Mais néanmoins, en chrétien, je dirais aux uns et aux autres, apprenez à pardonner aux gens qui accusent des déficits éducationnels criants dans leur chef. Et voyez-vous comment je me suis retrouvé. Mais en combattant de la liberté, et je vais vous dire une chose, ce n'est pas la première gymnastique peu commode à laquelle ma personne a fait face. Et ça, l'histoire le dira un jour. Combattant de la liberté, acquis au changement en tant qu'étudiant, ma promotion, mes congénères du campus les savent, comment nous nous sommes battus pour que derrière un certain quator, le président Tshisekedi, le président Kibasa, le président Birindwa et le président Mbouankiem, dont son fils fut encore une fois un des membres de ma promotion à l'université de Kinshasa. Donc, c'est autant dire que ce qui est arrivé, je comprends. Mais je dirais plutôt à ceux qui nous suivent ce soir, c'est que le combat que nous menons, notre comportementalité, procède d'une somme d'agrégats et paradigmes moraux. Vous savez, il est dit ceci.
L'ennemi du meilleur, c'est le médiocre. Et moi, je porte la méritocratie, voyez-vous. À côté de la méritocratie, il y a la médiocratie. L'ennemi du beau, vous êtes beau, votre ennemi, c'est le laid qui est à vos côtés. Ça, c'est un principe naturel, c'est une règle de la nature, on ne changera pas ça. Parce que le laid n'est pas n'importe lequel dans ces pays. Comme politisé, je suis politicien des Lumières. Voyez-vous, politicien des Lumières, et comme vous l'avez dit, je ferai une petite parenthèse, je suis sorti, je salue la famille du chef de l'État, je salue le chef de l'État, je salue la détermination du chef de l'État à établir réellement un état de droit. Vous le verrez demain, je ne voudrais pas faire des anticipations ici. Je vais au marché quelque part, une maman me voit, elle s'est mise à pleurer. Mais maman Likamonine, papa n'a l'anda qui n'est pas salio. Je dis, maman, ça me la gagne. Mais Jésus-Christ a été humilié plus que Pati, on a voulu le faire. Mais Pati n'a pas été humilié. Parce que sur 10 personnes qui ont suivi, 9 et demi ont dit, ah, bah, comme c'est y était. Donc c'était l'exemple pour les jeunes. Apprenez à soigner vos pas pour que qu'on n'ait pas besoin d'être démenti de votre part. Que votre comportementalité, votre exemplarité sociétale puisse témoigner en votre faveur. Ça, je vous l'ai dit. Au plus haut niveau du pays, les gens ont compris la cabale. Et ils ont compris que cette cabale a été mal cousue. Pati Joseph Lendo a fait l'objet d'une tentative d'escroquerie au nom d'une tierce personne. Je ne voudrais pas moi aussi tomber à faire une publicité gratuite à un quidam, je suis désolé. Pati Joseph Lendo reçoit un coup de fil. De qui, je ne saurais le dire. Reçoit un coup de fil. Candidat gouverneur, parmi le rare qui soit sérieux sur cette liste-là. Et les Bakongo, je les salue parce qu'ils le savent. Les députés professionnels du Congo central, je les salue parce qu'ils comprennent maintenant la vérité. Allez prendre un document au fleuve hôtel. Et c'était quel jour comme ça? Janvier, le lundi, d'abord le dimanche soir. Le dimanche tard, devant témoin, j'ai reçu un coup de fil. Et comme la prudence doit toujours nous aider, je présente aux uns et aux autres qui ont suivi le message, qui ont entendu la voix, que ah bon, il faut le faire. Parti de président du candidat gouverneur de la province du Congo central ne vient pas pour s'enrichir, pas non plus pour faire du spectacle au lieu de gérer, pas pour faire du théâtre au lieu de gouverner, pas pour faire des je ne sais pas quoi, des quinoiseries ou des au lieu de bon, mettre on des revient, choses en place. Vous recevez laissez-moi un coup terminer, de fil dimanche. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Eh bien, Parti de président devient gouverneur, il a un canevas de travail, il a une équipe de gens sérieux. En tout cas, jeunes et vieux, sérieux. Et Patrice Lendo a pour candidat vice-gouverneur le professeur Ngomabinda. C'est autant dire que les tickets, là, si vous le prenez, vous le mettez sur une balance, je ne sais pas si quelqu'un pourrait contrebalancer les tickets. Donc voilà, en fait, le péché, c'est celui-là. J'arrive dans les créneaux, il faut tout faire pour faire revivre la province du Congo central. Pour changer la gouvernance. Mais la province est morte. Ça, je l'ai dit à tout mon Congo qui me suit. Et j'interpelle les députés professionnels. Il ne faut pas croire que parce qu'on s'en sort avec un 500$, on est mieux. Qui ne vous dit pas que vous méritez 2000$? Par exemple, la province, elle est morte. Je fais Congo central, je viens de chez moi à Louose, je viens de l'île de Matéba avec la famille Ndele. Et je salue le patriarche Ndele à partir de Bruxelles. Je vous assure, la province, elle est morte. En Mukongo, je ne peux pas rester indifférent. Pour voir ma province mourir comme ça, Dieu le Père me condamnerait. C'est pourquoi j'ai pris l'audace. Avec le bénéfice spirituel de plusieurs hommes de Dieu de la province, pour dire je suis là. Et comme candidat, je n'ai pas pris un bon danseur, vice-gouverneur, le professeur Ngomabinda que vous connaissez. Donc voilà. Et dans le combat, il y a d'abord pour aller plus vite cette histoire du péage. Mais comment je peux accepter, moi, candidat gouverneur, moi, né Congo, sérieux, qui combat pour que le Congo central puisse renaître? De cendre pratiquement de l'ignominie gouvernante. Oui, je vais chiter pardon, mais faites taper le fil. Qui ne voudrait pas que la province tombe dans cette ignominie gouvernante puisse encore aller concocter avec les gens qui appauvrissent son peuple. Le péage, je vais pas partir de là. Mais je me suis rendu compte en candidat gouverneur quoi? Le péage, la courbe que j'ai, dont les données sont encore dans mon bureau, et éparpillée à travers les collaborateurs. Mon cher frère, le péage, rien que le péage, rapporte 4 millions la moyenne par mois. Et on rétribue à la province 200 000$. À peine. C'était ça, 50 000$. De tout le temps, là, c'était ça, 50 000$. Mais comment, moi, je peux accepter ça? Et comment, moi, qui combat cette incurie,
puisse encore concocter avec les auteurs de l'incurie. Je suis devenu pratiquement malade, il faut me conduire au CNPP. Donc voilà, en fait, c'était le coup de fil. Allez prendre les documents, et monsieur, vous remettez les documents. Comme votre credo, c'est la révisitation du contrat de péage. Il faut ramener $200 000 à 1 million, à 2 millions, pourquoi pas. On vient creuser chez vous et on vous laisse les parents pauvres. Je suis désolé. Ça, je suis désolé. Je lis encore le code. Si je comprends très bien, Maître Patilendo, candidat gouverneur de la province du Congo central, ne vient pas le même vite. Vous aviez, en tout cas, un canevas, un cahier de charges. Un canevas fourni. Voilà. J'aurais voulu même qu'on puisse nous présenter tous les candidats gouverneurs sur un plateau. Et dans ces canevas-là, vous prévoyez qu'on puisse revisiter, en tout cas, la clé de répartition. Les richesses du Congo central doivent profiter à la République, parce que le Congo central fait partie de la République, doivent profiter à la province, pas aux individus, les mafieux. Là, je suis désolé, là, je ne céderai pas. Je l'ai dit, comme disait Mobutu, avec force. Ça, je ne céderai pas. Donc, voilà, l'appel a suscité en moi un intérêt. On va te donner la documentation dans le sens du combat que tu mènes. Mais qui est ces juristes sérieux qui puissent faire un argumentaire sans texte? Voilà l'appât qui m'a rendu aussi tristement, ou je ne sais pas comment, célèbre à travers le monde. J'arrive au fleuve Hôtel. C'est la question que j'ai posée à tout ce monde qui a tourné autour de ces dossiers. Mais dites-moi, qu'est-ce que je fais? J'arrive au fleuve Hôtel. Je n'ai vu personne. Je me présente au niveau du concierge. Ma femme dans ma jupe, que j'ai acquise proprement, en respectant les préceptes divins et en respectant les lois de mes pays, de mon pays. Et en plus, il faut que les jeunes comprennent. Nous sommes parmi les rares qui puissent avoir de beaux costumes, de belles chemises, de belles montres, belles lunettes, qui soient beaux, sans forcer Dieu le Père dans sa volonté. Ça, il faut que les gens le comprennent. Nous sommes parmi les rares politiciens qui construisent des maisons proprement, sans forcer même une petite règle de la divinité, et sans aussi énerver la République à travers ses lois. Oui, vous arrivez donc, voilà, devant les concierges. J'arrive devant le concierge, un voleur, un escroc, Olivier Patrice Lendo, avec sa femme dans sa jeep, habillé pour la circonstance. Dieu m'a inspiré, parce que si j'étais en veste, je n'aurais pas résisté à ces voyous. J'étais en blue jean, chemise, je m'excuse, mais pour Armani, vous avez vu les images, acquise à Paris, Champs-Élysées, avec l'argent de la sueur de mon front. Non, il faut, maintenant il me pousse à parler, je parlerai jusqu'au bout de mon énergie. Je vous le dis, j'arrive, voleur, escroc, avec ma femme, cadre dans une grande entreprise de la place. Je descends avec ma carte d'avocat au concierge, devant les témoins, les amis du protocole d'État, pour avoir fait pendant 2 ans, je crois, avec Moïse Kabila, au cabinet du ministre d'État aux Affaires étrangères. Ils m'ont reconnu. Je présente ma carte d'avocat, je dis, voilà, Maître Lendo, on me dit de venir prendre un document ici, auprès, c'est pas un monsieur, c'est pas comment. Ils m'ont dit, non, il faut l'appeler. Le numéro qui m'a appelé pour dire, au commis wapi, aux awapi, y'a qu'à monter tout kende. Mais attendez, c'est une enveloppe, na yuawa, na se, y'a pas de document, c'est ngaki. J'ai dit, ok, j'appelle le numéro, un monsieur, un Congolais, qui me répond. Non, pas là-bas, n'entrez pas à l'hôtel, allez vers le bout de l'ambassade de Suisse. Je sors de là, je laisse madame dans les véhicules, et m'a même dit, nous avons une séance de travail. J'ai dit, mais séance de travail à 18h15, même si je suis un robot intellectuel, mais pas jusqu'à ce niveau. Je vais vers là où on m'a indiqué qu'on va avoir une séance de travail. Mon cher frère, les amis qui suivent CCTV, je descends, je fais un peu les petits pas, j'arrive juste à l'entrée de l'endroit. Il y a un parking là qui faisait un peu noir. 4 gangsters m'entourent. Donc monsieur, c'était un piège. Monsieur, Tosato Baba Tosato, contre la Moutoukou. Oh, entre nous soit dit. Je n'ai plus cette précarité sociale pour rentrer dans une voiture dont je voyais à peine les phares ou je ne sais pas quoi, la luminosité. Une voiture Toyota peinte en vert, fumée en noir, il n'y avait pas de plaque derrière. Parce que j'étais du côté du derrière de la voiture. 4 gars en blue jean. Monsieur, j'ai dit, mais Bino Banane, moi je suis peut-être, vous avez confondu des gens, avec ma hargne, avec ma verve oratoire. Je leur ai dit, je suis Patrice Lendo. Vous êtes qui? Dites-moi les fils que vos différents noms. Ils étaient à fond. J'ai dit, non, ça devient sérieux. Moi qui suis venu voler, escroquer, je prends mon téléphone pour appeler 2 autorités du pays. Ah oui, combien d'enlèvements? Maître résistait aux Zoya. Il faut que les gens comprennent. Et j'ai fait voir à ces jeunes gens-là, ou ces voyous-là, que
L'Inde que vous voyez à la télévision n'est pas une inapte. Je les ai maîtrisés avec mes mains. Ça, vraiment, les téléspectateurs m'excuseront. Méritocratie physique. Je les ai maîtrisés et je leur ai dit, laissez-moi vous dire, ça c'est la vérité. Je leur ai dit, pour que j'entre dans cette voiture-là, il faut que vous tirez sur moi. Même si vous déguerrez vos armes, avec ma spiritualité, vous n'atteindrez pas ma tête ni mon thorax. Vous allez tirer sur mon épaule, j'irai en Europe, on va extirper la balle. Vous allez tirer sur ma cuisse, j'irai en Europe, on va extirper ça. Mais je ne deviendrai pas inapte parce que vous êtes armé maintenant. Quand je leur ai dit ça, mais moi je tuerai deux d'entre vous. C'est là où je leur ai dit, je suis première promotion du SARM en 86. Service d'action et de renseignement militaire. Le nom est encore là dans les archives. Les amis qui sont là, ils peuvent témoigner. Je suis première promotion du SARM. Ça, les gens qui ne le comprennent pas. Donc, j'ai l'âme du militaire et je vais maîtriser ces gens avec leurs armes. Après, je vois une jeep de la police militaire qui arrive. Bon, je ne pouvais pas dire à ce moment-là. Il faut aller un peu vite là. Je vais aller vite. Voilà, on a un moment. C'est pour ça que je suis venu peut-être. Je ne pouvais pas aller, je ne pouvais pas m'imaginer que la jeep était venue pour les voyous. Je me disais peut-être le général tel ou le général tel autre que j'ai appelé m'a envoyé du renfort. Quand je vois la jeep peine, le commandant de la jeep, un capitaine qui m'a reconnu, Lembo il s'appelle. J'ai donné le nom à l'auditorat militaire. Il va aller s'expliquer là-bas. Et Lembo c'est qui? Lembo c'est un des anciens gardes du corps de feu mon aîné Niwa Mobutu Gwemani Golf. Et depuis la mort de Niwa, je m'occupe bien de ces messieurs. Je m'occupe bien de sa famille. Je prends soin de ses enfants. Je vous assure, il est resté pour moi un ami, un héritage de Niwa Mobutu. Et c'est lui qui me dira, oh, Mutongo Zandeyo. Mais il ne m'a rien dit. Il descend juste, il prend mes téléphones. Pour moi, c'était pour me sauver. Je lui ai donné mes téléphones, les deux téléphones que j'avais sur moi. On entre dans la jeep. Mais écoute, tout mon mécanisme spirituel de défense, mais je les ai mis pratiquement en veilleuse. Parce que je suis tombé sur une aubaine. Le capitaine est mon secours. On m'appelle dans la jeep. Le téléphone sonne. Il ne veut pas que je prenne mon téléphone. Un de mes téléphones. Mais commandant, qu'est-ce qui se passe? Ah, général Obi, aussi ma téléphone noté. Rapidement, on me conduit au commandement, 14e région militaire. Je dis, mais l'homme, au film, tout le Gamoni. La dernière question pour moi, comme j'étais, ma conscience était calme, mon âme était calme, mon esprit était calme. Je dis, mais Lembo, je suis devenu un peu comme un disciple de Jésus-Christ qu'il avait. Oh, Pati Lendo, c'est d'abord la force morale, c'est la force spirituelle, la force intellectuelle. Ajouter à cela la force physique. Ça, vraiment, je vous le dis aujourd'hui. Donc, les quatre dimensions de Pati Lendo, force intellectuelle, force morale, force spirituelle, fils de Simon Kimbangu, fils de Kabedin Kanu, fils de Oscar Moïse Izandia. Les Bakongo le savent. Et force physique, je ne suis pas inapte. Donc, on me conduit à la 14e région militaire. Je pose la question. Mais quelle est cette infraction que j'ai commise pour qu'on me prenne du fleuve au tel, qu'on me conduise au niveau de la 14e région militaire. J'ai dit, mais je suis devenu ADF Nalu. Donc, une force négative qu'on doit éradiquer. Mais je ne le suis pas. Et j'ai rappelé à Lembo que, oh, mais Lembo, hier j'étais opposition. Aujourd'hui, je suis de plein pied dans le pouvoir du président Tshisekedi. Ça, je l'ai dit. Donc, l'opposition scientifique, c'était credo, c'était label. Mais je pouvais bien me dire union sacrée scientifique. Mais là, c'est une majorité scientifique. Non, union sacrée scientifique. Parce que je fais des notes que j'envoie aux amis qui sont là qui pour aider la République à marcher. Bon, et je contribue. On avance. Donc, voilà, de là, on me prend déjà mes téléphones par un général. Ilondo, commandant 14e région militaire. Je me suis posé la question à l'auditorat. Puisqu'Ilondo est devenu OPJ. Donc, à l'armée congolaise, il y a des OPJ, commandant force navale. Il y a des OPJ, commandants, je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est grave. On me prend de là vers 21h. On me conduit au camp Kokolo. J'ai dit, mais je ne faisais que des camps en camp. Au commandement, camp Kokolo. J'arrive au camp Kokolo. Personne ne m'a dit pourquoi je suis là. C'est à 22h30 que je dirais, mais vous me faites passer le temps. Madame est là-bas au parking. Et je salue le colonel Baleine, commandant second du bataillon PEM. C'est parmi les militaires que nous avons encore des respectueux, des militaires républicains. Il dit, mais, oh, Bazos, Balibasi, mais ça n'a eu touche, le pauvre. Ça, je répète. Oh, Bazos, Moutou, Bouyeneo, le Kamonini. Je passe nuit là-bas, madame, on est allé la prendre, elle passe nuit dans la jeep, dehors, à 5h du matin, donc quelque chose, laisse-moi la jeep, monte à la maison, organise les enfants, va au travail, continuons. Je suis un homme politique, je fais face à un combat. Mais je vais maîtriser les différentes artères du combat un peu plus tard. Je suis resté là. Deux jours. Deuxième jour, la nuit, on me conduit encore. Le colonel est venu me dire, on n'a rien trouvé, aucune plainte,
aucun plaignant, aucune preuve de ce qu'on te reproche. Donc même pas le secrétaire général de l'UDPS, au nom duquel vous arnaquez les gens, mais non, je suis sorti du parc avec une main levée. S'il y avait une plainte, on serait confronté. Il ne faut pas croire que parce qu'on est je ne sais pas quoi, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Comment vous avez quitté le camp Kokolo, la 14e région, pour se retrouver colonel, à la police? C'est ce que j'ai dit. Le colonel Baleine, je le salue et je dis à mes amis, à mes frères, à tous les méritocrates, ce monsieur est devenu notre héros. Autant nous avons passé notre temps à soutenir des familles, des gens comme des Limbo, des gens immoraux, des gens inconscients, autant nous le ferons pour cette famille-là. Et tu parles en âme et conscience, ces enfants, ces petits-enfants apprendront quelque chose de la bonté et de la dextérité républicaine de ces colonels. Il a dit, mais deuxième nuit, vous voulez que je fasse quoi avec ces messieurs? Vous lisez ça, Nini. Monsieur, je vois que le maître, qu'il est là. Mais on ne comprend pas pour lui. Politique, il y a un cas militaire. C'est ce que le colonel a dit. Il y a un cas militaire. Il y a un cas politique, il y a un cas politique. Il savait. Il savait ce qu'il disait, le colonel commandant Segon. Il me dit plein de histoires entre les OPJ. J'ai dit non, mon colonel. Je ne peux pas rentrer comme ça. Il faut que les OPJ m'attendent quand même. Pour moi, c'était une preuve de ce que je suis passé dans un camp militaire parce que les PV sont là. Voyez-vous? Ils vous posaient des petites questions, trois questions. Qui ne tenait pas debout? Et quelle relation vous avez avec tel? J'ai dit, moi, je suis partenaire du pouvoir de Félix Tshisekedi. Tu sais qu'il dit? Tel autre, c'est aussi un partenaire. Chacun a sa sphère. Moi, je gère ce que je gère. Vous avez vu nos images. Par deux fois, j'ai conduit la délégation de Bakongo chez le président Tshisekedi. Je ne mâche pas les mots. Par deux fois, j'ai dit bien le Bakongo chez le président Tshisekedi. Le 24 juin 2019, je crois, et pendant les concertations nationales. Ce n'est pas parce que je l'ai voulu, parce qu'ils m'ont trouvé que j'étais sérieux et je pouvais conduire des délégations. Je l'ai fait. C'est ce que j'ai dit. Qui que ce soit, si c'est un autre fait aussi mieux que moi, tant mieux. Mais je ne parle, je suis discipliné, je ne me gère pas de ce que l'autre fait. J'aime tellement ce que je suis. Que je n'ai pas le temps de citer le nom de qui que ce soit. Dans ma vie, ce n'est pas dans mon éducation. Donc voilà, le colonel me libère, je prends ma jupe, je dis mon colonel, voici mes numéros, je reviendrai vers vous pour vous dire merci autrement. De la manière dont je vous observais, la République a besoin de gens de valeur comme vous, pas de voyous quand même, je suis désolé. Et arrive, il me dit, ok, des OPJ, comme vous avez le procès verbal, vous avez fait la note d'OPJ. Mais discute pas de tout. On n'a rien trouvé, aucun plaignant, aucune plainte, rien. Moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qu'on me reprochait. Et je vais maintenant me dire, va prendre tes téléphones à la 14e région militaire, chez le général. Je dis, mais ce général, il se prend pour qui? De quel droit il a tiré? Où est le PV de saisie de mes téléphones? Le procès verbal de saisie de mes téléphones? Il n'y en avait pas. Et j'ai marqué ça sur le procès verbal de mon audition au niveau du bataillon PEM. Je prends ma voiture, je rentre, je prends les deux OPJ, on va à la région militaire. 19h40, j'entre, j'ai trouvé un colonel encore brillant, un colonel encore moralement nanti, le colonel Bozélé. On me conduit à son bureau. Il me regarde, il dit, oh, Yonde, ah, Mboko Yekoufi, ah ouais, Mboko Yekoufi, dit, maître, Ozaya Nzambi. Et notre major vient, nous connaissons, Moutouzo Medeyeyo. Ah, bon, tu as bon, grosso modo. Grosso modo, il me dit, bon, attendez un peu le général parce que c'est lui qui a le téléphone, qui a le dernier mot. Et à ma grande surprise, le général fait sortir vers 20h une lettre de transmission. Vous le verrez dans le dossier. Une lettre de transmission de mon dossier. Le PV qui n'a pas lu, parce que j'étais avec les deux OPJ devant moi, au bureau du colonel Bozélé, il fait sortir une lettre. Dans la lettre, il dit quoi? Transfert ou transmission du dossier de M. Lendo chez le général Kasson. M. Lendo a venu, je donne toujours, j'ai plusieurs maisons politiciens, je vais dormir à Kazangoulou cette nuit. C'est toujours ma propriété. Je vais aller dormir à Louose. Surtout, j'ai acheté encore un grand terrain là-bas que je vais construire. Je vais rentrer à Louose pour qu'on vienne m'arrêter encore là-bas. Ah, je vous l'ai dit. On me dit, nous transférons M. Lendo poursuivi de tentative d'escroquerie au préjudice de M. Augustin Kabuya, virgule, secrétaire général de l'UDPS. J'ai posé la question au colonel Bozélé. Mais mon colonel, je suis magistrat dans ce pays. On fait allusion maintenant à partir de l'Indo dans un procès verbal, opposition scientifique ou union sacrée scientifique. Ça ne se fait pas.
Ce n'est plus cette histoire de partitocratie où on fait des partis politiques, un agrégat et de enfin la raison. Vous retrouvez. À la fin, avec la lettre du général, 22h30 de mercredi, je crois, troisième journée sans manger, sans boire de l'eau, physiquement fort. Je me retrouve chez le général Kasongo, Pécrim. Le colonel Lazou qui m'a accueilli, un homme brillant, un homme très gentil, un homme impasseur, m'a-t-on dit. Lui m'a connu quand j'ai fui de magistrat Idiofa. Mais Idiofa, j'ai fait arrêter le plus riche d'Idiofa en 96, mars 96. Jeune magistrat que j'étais, j'ai fait arrêter M. Wolka. Il avait de l'argent, les blancs, ceux qui font Idiofa le savent. Je suis une légende à Idiofa. Quand Lazou m'a vu, il était désemparé. Ah, tu y a des escrocs. Combien de escrocs? Moi qui ai fait arrêter votre patron, le plus riche d'Idiofa, M. Wolka, un monsieur qui s'est imposé dans cette ville, dans ce territoire plutôt, vous n'avez pas l'idée, pour arrêter un homme riche. Mais il y a la tentation, les amis magistrats le savent. Il me dit, ah, mais dossier nous a vide, il n'y a rien. Mais mettre la lettre du général là-haut, au moins pas, il m'a dit, mais bébé, Auguste Kabuya, Virgile, secrétaire général de l'UDPS. À l'auditorat, l'on doit aller dire, qui lui a dit que Kabuya était dans cette histoire? Qui lui a dit? Puisque lui et moi, on n'a pas parlé. Lui, il ne m'a pas auditionné. Les OPJ, leur PV est clair. Et comment ça s'est terminé au niveau de la police? Ah, j'arrive au niveau de la police, comme il était 22h. Ils m'ont dit, on est tombé dans un monsieur Nandako, il y a une notoriété publique. Ta crainte n'est pas à craindre, ta fuite n'est pas à craindre. Mais le banque Sabiso, oui, va-t'en. Quand j'étais magistrat, je suis conseiller du président, fais ceci. Si je ne sais pas ces aventures, je vous dis, de quel président plus? Le président, c'est celui qui fait l'état des droits, il y a un téléphone, qu'on va n'importe quoi là-bas. Et ça aussi, les réseaux, on va les démanteler. Ne vous en faites pas. Suffisamment nantis pour faire ce combat. Eh bien, on me dit de dormir. Maître Talaka, tu continues à cachoter. Va dans la salle. Oh, il va pécrin baïebi. Moi, salomon que Zakawan. Et il dit à ses policiers, bon, va laisser à côté un ventilateur, bangoumé, bachoïde. Merci au colonel Lazou. Le lendemain, quatrième journée. Sans manger. Mais non, moi, peut-être que je ne mange pas. Je ne mange pas, je ne bois rien. Mais j'étais fort. Et j'étais prêt encore, si c'est l'un de ces deux généraux qui s'était présenté, j'allais créer un scandale. J'allais les tenir, j'allais leur montrer que je suis plus fort que physiquement. Simplement, je vous l'ai dit, devant caméra. Et je m'assume dans ce que j'ai dit. Donc, je ne dois pas continuer à se moquer des gens. Mon cher frère, laissez-moi vous dire. Bon, calmez-vous, maître, on avance. Calme, je me calme. Dernier jour de la police. Je vous dis, je suis physiquement fort, spirituellement fort que ces inciviques. Quatrième jour de la police. Je suis là, on ne m'entend pas. Personne n'est venu me dire un PV, personne. Général a dit à 17h, montez au bureau. Le colonel Lazou, il y avait nos PJ qui avaient les deux papiers là du bateau PEM. Eh bien, on arrive chez Kasongo. C'est là où le théâtre a commencé. J'entre, je le trouve avec un chinois, un petit garçon là. Ah, ah, est-ce qu'on y est? Oh, Kasongo se connaît depuis Moussé Kabila. Je l'ai rappelé. Il était à la pire, il sait ce qu'il avait fait à la pire. Quand j'ai fait intervenir Yerouda pour lui, il le sait, Kasongo, ces messieurs-là. Il le sait. Je ne suis pas un inconnu de Kasongo. Il sait comment. J'étais quand même la famille de Yerouda aussi. Voyez-vous. Et Eskwangoyeyo. Il appelle quelqu'un là. Pour lui, c'était Auguste Kabuya. CG. Ah oui. Maintenant, Eskwango Liboso Nangayawa. Oh. Quel escroc. Ngaï. Et il m'a même confondu avec un de mes avocats, Maître José Lunga de ma promotion, que je salue pour sa dextérité et sa sagacité de l'intelligence. Voyez-vous un peu cela? Il m'a confondu. J'ai dit, non, mon général, c'est moi que vous avez fait arrêter. Pourquoi vous m'avez arrêté? Dis, Major Landou de Pékin, là. Major Landou, Benga Presse, Toto. Comme ça, là, voilà la République. La République du Congo, on confie des responsabilités à des imméritants. À des apprentis, à des gens qui ne connaissent rien de la règle élémentaire de la République dans un état normal. Oui, appelez la presse. Toujours l'excès de la presse. Mais vous allez créer la presse pour El Kamounine. Comme ça, il souriait. Un général de sa trempe, à qui l'on confie la police de la ville de Kinshasa. Je suis désolé. Et ça, je fais mon plaidoyer auprès des autorités, parce que je ne suis pas loin des autorités aussi. Je suis un citoyen congolais exemplaire. Comme ils ont touché à ma dignité, à travers moi, je veux que les autres ne subissent plus cette histoire. De montrer déjà la télévision comme ça, on s'amuse, yaga, bon. Télévision. Laissez-moi dire. Et il impose à tout son staff. Donc, pour présenter dans un pays comme la RDC,
capitale, Kinshasa, présenter les civiques, tous les staffs de la ville étaient assis là. Vous avez vu les décors. Pour plaire à qui? Tous les staffs étaient là. Vous avez vu? Voilà. Et lisez les communiqués. Un réseau d'escrocs. Le réseau d'escrocs ne s'arrête qu'à une seule personne. Ils ne sont pas donné la paix de CRC. Qui m'a appelé, c'est comment personne n'a fait ça. À la fin, candidat gouverneur de la province du Congo central, j'ai compris. Donc je me limiterai à ce niveau-là. Je suis allé au parquet, Dieu merci, nous n'avons pas que d'ennemis. En tout cas, le ciel a entendu la voix. Et la suite, la vérité a jailli. Okay. Le parquet n'a rien trouvé en moi. Le parquet m'a libéré. Je suis à la disposition de la justice de mon pays. Je me suis dit avec des amis de la promotion, des amis juristes, ma base du Congo central, les notables sérieux du Congo central, on ne doit pas laisser cette histoire. Je mets ma citoyenneté positive en jeu. J'attends l'auditorat général parce que j'ai vu moi-même avec mes avocats le général Ikoulia. Encore une fois, un monsieur modèle. Voilà des autorités qui méritent d'être autorités dans ces pays. Pas des inciviques. Okay. Donc nous attendons, nous avons porté plainte contre le général Ilundo pour avoir incité des limbo et consorts à commettre des actes répréhensibles, pour m'avoir fait arrêter arbitrairement, m'avoir fait détenir au niveau du parti OPM arbitrairement, et le général Kassongo. Mais à Kassongo, on lui a demandé des imputations dommageables. Il doit montrer aux gens, j'ai été escroc depuis quand? Qu'est-ce que je peux escroquer chez un Kassongo? Quand j'ai commencé ma vie, Kassongo était où? Quand j'ai acheté ma première parcelle dans cette ville ici, Kassongo avait quoi dans cette ville? Bon, ah non, maître, respectons les gens. Maître Patti, je voulais voilà ce que je vais dire au peuple qui nous suit. Je suis là, je ne me suis pas senti diminué, je suis rentré chez moi. D'abord, j'ai fait venir madame ce jour-là. Après le film, madame est venue me faire bisous. Frère, donc, si ta femme déjà te reconnaît, modèle, bisous. Merci à maman Betty. Et je rentre à la maison, je salue la famille, comme j'ai dit, le président de la République, sa famille. Je salue c'est tout ce qui s'est soumis. Nous allons. Cela. Nous... Je rentre à la maison, mes enfants me disent. Ils ont suivi les vidéos, comme vous avez fait avec vos journalistes marchands, vos journalistes économistes. Ils ont dit, papa, nous sommes fiers de vous. Voilà pourquoi je m'étais tué pendant un moment. Quand déjà mes enfants me disent, les six, papa, nous sommes fiers de vous. Nous avons vu les vidéos, nous avons vu des choses, nous avons compris que c'est une cabale qu'on a montée contre vous. Mes étudiants savent comment je gagne ma vie, comment je m'habille, comment je gagne mon petit pain. Mes enfants savent. D'où papa tirer l'argent pour acheter cette télévision, pour acheter cette voiture. L'air apprendre des choses concrètes, ça n'engage que ces aventures. Merci beaucoup, maître Patrice Blendo. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez pu quand même suivre les témoignages de maître Patrice Blendo, victime d'un complot, selon ce que vous venez tous de suivre. Donc on lui a en tout cas donné pratiquement tout le temps pour qu'il puisse... Merci à vous. Je vous suis infiniment reconnaissant. Le mensonge a suffisamment circulé à son sujet, mais qu'il a eu le temps en tout cas de s'expliquer, de vous expliquer, vous avez compris. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va faire prendre une petite pause et suivre ces avocats qui sont allés le lundi déposer une plainte devant l'auditorat général des FARDC pour contre toutes les personnes, tous les responsables de la police et de l'armée qui ont été en tout cas là-bas, de son arrestation, de son enlèvement et même de son humiliation. On suit et puis on revient sur ce plateau pour clôturer l'émission avec Maître Patrice Blendo. Suivant. Ils sont tous habillés en tenue de combat. Les hommes en toge noire, ici devant l'office de l'auditorat général militaire, à quelques mètres de la place des évolués. Un collectif de plus d'une cinquantaine d'avocats évrants en RDC, venus défendre une même cause, qu'ils considèrent noble. Je crois que nous tous, nous avions eu l'occasion de visualiser la vidéo malheureuse, le présentant comme étant un vulgaire escroc, et plus exactement avoir tenté d'escroquer au nom du secrétariat général, du secrétaire général d'un parti politique, un certain sujet chinois, alors qu'il n'en était rien. Tous unis autour de leur camarade qui a été enlevé, diffamé injustement. Il y a juste quelques semaines, ici à Kinshasa. Les faits remontent il y a juste environ une semaine et demie. Patrice Blendo a été victime d'enlèvement et diffamation à grande échelle dans les médias de la place, le présentant comme un escroc, sans plainte préalable, ni preuve, une œuvre orchestrée selon ses avocats, par le commissaire provincial de la police, ville-province de Kinshasa. Ilundo de la 14e région militaire et Kassongo de la... Voilà. Arrêté sur instruction personnelle du général commandant de la 14e région militaire, l'occasion pour le collectif de venir saisir l'auditeur général des FARDC
pour une plainte contre ces deux officiers militaires supérieurs de la RDC. Donc, il est reproché au général Ilondo d'avoir incité les militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline, parce que ce sont ces militaires qui sont venus pratiquement enlever Maître Patil Lendo, l'ont conduit à la 14e région militaire où ils ont été détenus, et où les faits qu'on mettait à sa charge n'étaient pas établis. Le général Ilondo a transmis les dossiers à la police nationale, en y mentionnant comme infraction tentative d'escroquerie. Et arrivé à la police nationale, sans que notre client ait été auditionné, on va se précipiter à le faire filmer et à le présenter comme étant un escroc. Maître Patil Lendo sollicite à l'occasion l'implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi pour que justice soit faite sur cette affaire. Oui, Maître Patil Joseph Lendo, candidat gouverneur du Congo central, nous venons de suivre votre témoignage. On a vu aussi à travers les images la plainte qui a été déposée, tout ce que les avocats ont dit. Et ce n'est pas en conclusion, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à tout ce qui a été dit dans cette émission et au sujet de la suite, en tout cas, à donner à votre plainte déposée au niveau de l'auditorat général des FARDES. Je remercie tous les méritocrates dans tous les services où se retrouvent, dans tous les coins où se retrouvent, de leur soutien, de leur activisme, de leur engagement à pouvoir comprendre les méandres de ces scénarios. Et aujourd'hui, je suis heureux et même fondé à dire qu'ils ont échoué, les ennemis de la République. Et je dirais au chef de l'État ainsi qu'au service de sécurité, ce qui m'a tiqué, en tant que citoyen exemplaire, le fleuve Hôtel, c'est un site présidentiel. C'est une zone rouge. Comment un général commandant de la région militaire peut se permettre d'envoyer des gens? D'abord, le premier contingent qui était venu là, les inciviques, l'antennie civile, qui voulaient m'embarquer dans une voiture fumée, sans plaque. Comment une voiture fumée peut se retrouver aux abords du palais présidentiel? Il y a un problème de sécurité alors. Voyez-vous un peu cela? Et cela vient de qui? Du commandant de la région militaire. C'est lui qui doit nous sécuriser lorsqu'il y a un problème. Il s'implique dans des choses et qu'il répondra demain. Ça, c'est quand même grave. Cela m'a étonné. Le temps que j'ai pris pour maîtriser ces gens-là. Mais, et donc, nous ne sommes gardés que par Dieu le Père. Comment ils ne pouvaient pas avoir peur de ce que les sites étaient ces sites présidentiels, en envoyant des militaires sans papier, sans quoi, dans la violation. Et en plus, ces militaires-là ne sont pas les militaires du bâton PEM, mais les PEM qui étaient venus. Lembo est détaché du bâton PEM pour faire la sécurité du général. Il envoie ses propres gardes du corps pour aller arrêter. Ou aux abords du palais présidentiel. Ça m'étonne. De deux, Kassongo, c'est le commandant de la ville. Il doit être le modèle parmi les politiciens, plutôt parmi les policiers. Mais quand Kassongo s'amuse à faire de telles choses, sans se rendre compte que la dignité humaine est sacrée, sans preuve ni quoi, il balance des choses. Faites-moi. Et il souriait. Mais il a eu mes mots devant son équipe là de collaboration. Il a eu mes mots durs. Ça, je n'ai pas eu peur de lui. Et je n'aurais pas peur de lui. Nous devons tous avoir peur de la loi, pas des individus. Qui qu'il soit, je suis désolé. Et de toi, si certains marchands des médias, hein, vos histoires de quelle boule j'ai appris, et ceci, cela, on s'en occupera en droit après. Mais si vraiment la RTNC se met aussi dans de telles saletés, chaîne officielle, chaîne nationale, à balancer des images de gens sans la moindre garantie de la véracité de faits. La RTNC, je suis désolé, j'ai écrit au directeur général, je lui ai dit, donnez-moi mon droit de réponse, par écrit avec les avocats. On ne doit pas continuer à s'amuser avec les gens. Même dans quel pays du monde, vous allez voir la chaîne nationale, on prend des gens comme ça, des images, Moïbi, sans qu'on demande même le minimum de garanties. Où est le procès? Où est la décision judiciaire? Non! On fait balancer ça. Ces responsables-là doivent répondre. J'y vais mollo mollo avec tout ce que j'ai de science dans mon chef et je vous dis sincèrement, vous merci, verrez. Merci, merci. Voilà, en merci. Fait, les amis, soyez forts. Nous continuons le combat. Je reste candidat gouverneur au Congo central. Et là, je ne céderai pas. Merci. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Maître Patrice Lendo, à l'équipe technique pour nous avoir accompagnés de jusqu'à la fin. Et nous prenons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye et à la prochaine.